Alors maintenant, voilà, on va faire des recherches. Pour l'instant, tout ce que je peux chercher, je crois, c'est des nouveaux thèmes. Ah oui, moteur jeu personnalisé, ça viendra plus tard. Donc j'ai 45 points de recherche, on va en investir 10. Qu'est-ce que je peux chercher? Un jeu de super-héros, de chasse, d'évolution. Super-héros. Voilà. Donc là, pendant que la jauge se remplit, mon perso cherche le thème du super-héros. Et avec ça, on va pouvoir créer de nouveaux jeux. D'après les rumeurs, l'entreprise japonaise Nivento projette de lancer sa propre console de jeu. Nivento est connu pour le jeu d'arcade à succès Dinky King. Voilà, vous voyez, ce sont toutes les vraies consoles. Ça va jusqu'à la PS5 et la Switch sur la version iOS du jeu. Là-dessus, ça s'arrête à la PS4, je crois. Voilà, pendant ce temps-là, Lyon, mon jeu, est en train de se vendre. Donc ça me rapporte du blé. Pour l'instant, j'ai plus d'argent qu'au début du jeu, donc c'est bien. On va faire un jeu de super-héros, on va l'appeler Super BS Max. Le héros que vous rêvez tous d'être. C'est un jeu d'action, hein. Alors il faut quand même, voilà, là c'est marqué Excellente Combo. Je sais pas pourquoi il y a un E, mais c'est pas grave. Parce que pareil, j'ai déjà trouvé dans ma partie d'avant que super héros et action, c'est un combo qui marche. Mais vous pouvez aussi faire un jeu de merde. Si j'ai beaucoup d'argent dans le jeu, à un moment j'essaierai de faire un jeu bien pourri, juste pour voir ce que ça donne. On va le développer sur PC, pareil. Donc PC, je rappelle qu'il y a moins de parts de marché, donc je vais forcément moins en vendre. Mais voilà, j'ai pas envie d'investir dans la Commodore 64, sachant que le jeu ne fonctionnera pas indéfiniment. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de différence, il va en avoir de plus en plus. C'est comme BSMAX, il est con mais il est intelligent. Oui, mais il faut être très intelligent pour savoir se prendre pour un con. Alors qu'un con ne peut se prendre que pour lui-même. Vous comprenez. Donc pour un jeu d'action, j'avais déjà découvert, j'aurais dû reset complètement parce que là du coup tout est marqué, on pense que ça allait toujours. Non, ça allait juste parce que j'ai déjà fini le jeu. Mais on sait que le moteur est très important, le gameplay moitié, et l'histoire et quête, on s'en branle un peu, on veut juste faire pam pam boum. Lyon n'est plus en vente, il s'est vendu à 13 000 exemplaires et a généré 96 000 euros de recettes quand même. C'est pas rien du tout, vous imaginez si je créais un jeu de romantisme qui se vendait vraiment à 96 000 euros. Putain, mais tout de suite je signe. Ok, donc pareil pour un jeu d'action, bonne intelligence artificielle, bon design, les dialogues, on s'en branle le coquillard avec un tibia de pamplemousse. Donc voilà, je crée mon jeu qui pour l'instant n'a pas des notes de ouf, hein, mais ça va s'améliorer au fur et à mesure de ce que j'aurai débloqué. Et quand les consoles de jeu vont arriver, parce que pour l'instant je crée tout ça sur PC. Hein. Ah, regardez-moi ça. Aujourd'hui, Nivento a confirmé les récentes rumeurs et a annoncé son intention de sortir une nouvelle console de jeu, la TES, évidemment. Équipée d'un lecteur de cartouches et d'une manette au design unique, vous aurez tous reconnu la NES. Sinon, vous ne méritez pas d'être sur mon stream. Le jour où tu seras cérébral, je t'offre un verre au dernier bar à la fin du monde. Le jour où tu seras majeur, je t'offre un verre dans mon QG. Voilà. Super BS Max. Voilà, regarde, nouveau record technologique. Hein. Super BS Max ne peut que cartonner. On va regarder les notes tout de suite. Ah, voilà, regardez. Pour BS Max, des créateurs du jeu, nous sommes les créateurs de Game Dev Tycoon. Nous voulons te remercier d'avoir acheté ce jeu et de nous avoir aidé. De rien. Le jeu, je crois que je l'ai payé 7€ sur Steam, 5,50€ sur iOS et je l'ai poncé. Donc voilà, c'est. Sérieux, BS Max, t'es génial. Vous voyez, même eux, ils le disent. Au bout d'un moment, je crois que tout est dit. Il n'y a plus besoin de beaucoup réfléchir. Est-ce que Super BS Max est un bon jeu? Mais oui, regardez-moi ça, Super BS Max qui se chope un 8 par Star Games. Bon, un peu mieux faire par Informed Gamer. Une expérience très agréable de jouer à Super BS Max d'après Game Hero. Et juste un gemme de All Games qui est définitivement une société de merde. Regardez les ventes de mon jeu qui décollent. La majorité arrive dans un an et quelques mois, c'est déjà trop long. Travail sous contrat. Ah, j'ai débloqué les contrats. Alors, les contrats, à quoi ça sert? Les contrats, ça sert à se faire de la thune. Je vais vous montrer. Dialogue, ça va être inutile pour ce type de jeu, je l'ai marqué. Voilà, trouver un travail sous contrat. Les contrats, c'est juste pour se faire de l'argent. C'est-à-dire que j'ai un délai. Par exemple... Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup mieux présenté sur iOS, en fait. Ça me fait bizarre dans une version PC. Là, il faut qu'en 5 semaines, mon perso arrive à développer 7 points de design et 8 points de technologie. Et je gagne 15 000. Mais si je me foire, je perds 6 000. Donc, on va essayer. Donc, vas-y, grouille-toi un petit peu l'anus. Allez, regardez. Les bulles se remplissent. Pas très, très vite, hein, pour l'instant. Voilà, ça va le faire, ça va le faire. Voilà. Et là, j'ai gagné 15 000 $. Voilà. Vous voyez l'idée. Ça permet d'avoir de l'argent. Voilà, j'ai terminé de faire des recherches sur le western. On va créer un jeu de western. On va créer Blue Dead Redemption. Parce que, pourquoi pas.
ça changera du rouge. Western, alors attendez, Western, on va dire action sur la NES. Mais alors du coup, regardez, le coût de licence, c'est 80 000. Donc pour commencer à créer des jeux sur la NES, il faut que j'investisse 80 000 boules. Donc je vais le faire, mais faut réfléchir. C'est pour ça que tu peux pas créer sur toutes les consoles gratuitement. Hein. Faut faire gaffe à ce que tu fais. Pour l'instant, j'ai toujours des graphismes en 2D, c'est normal, c'est la NES. Toi-même, tu sais. Et si tu sais pas, encore une fois, découvre cette console. Découvre-la. Ah, on crée mon jeu. Je suis Caroline Richard du journal local. Ah, voilà. Regardez, j'ai déjà des interviews. Auriez-vous un peu de temps, bien sûr. Merci de nous accorder un peu de temps. L'interview sera publiée prochainement. Mais j'ai rien dit. What? Ok, bon, c'est pas grave. Hein. Je... Ok. C'est pas grave, c'était l'interview la plus géniale. Travail d'arrache-pied sur son prochain projet. Ouais, je suis en train de m'arracher les pieds. Son prochain jeu sera de type western action, un genre inédit pour la société. Voilà, il souhaite le bon courage à la société analogique. Développer un super jeu n'est pas la seule clé du succès. Il faut faire du battage médiatique. C'est vrai. Regardez, comme j'ai eu une interview en haut, j'ai une barre de hype. J'ai engouement numéro engouement 7. Voilà, donc après je peux faire de la pub, de la promo, acheter des affiches publicitaires à placarder dans le métro, faire des placements de produits, tout ça pour faire monter la hype autour des jeux que ma fabuleuse société fabrique. Alors regardez un petit peu, j'ai augmenté mon niveau de moteur, de design, de son et mon propre niveau à moi. Je publie le jeu, je sais pas du tout ce que ça a donné un western action sur la NES. Les premières critiques pour Blue Dead Redemption viennent d'arriver, attention. Ah, c'est un peu court, jeune homme. Aïe, aïe, aïe. Bof. Ah, je crois que j'ai fait un jeu de merde. Marrant par endroit. Bon. Ah oui, ni bon ni mauvais. Voilà, c'est un peu un jeu de merde. Je pense que je vais très vite avoir l'info. On va faire un rapport sur le jeu, mais je pense qu'ils vont dire que les jeux d'action comme ça... Le jeu m'a coûté 56 000. C'est pas sûr que je les rentabilise. Alors, western et action, et tu te rappelles, les moteurs sont très importants. Ok, bah, j'ai juste fait un jeu de merde. Voilà. Si j'ai juste fait un jeu de merde. Voilà, recherche terminée, chasse. Donc on va créer un nouveau jeu que je vais appeler Tirer la chasse. Voilà, vanne de qualité. Jeu de chasse sur... Ah oui, une aventure de chasse. Une aventure de chasse. Sur PC, évidemment. Je n'aime pas la chasse, mais c'est pas grave, c'est un jeu. Voilà, il s'est vendu générant 98 000 dollars de recettes, donc c'est bon, j'ai rentabilisé mon jeu. Alors là, par contre, jeu d'aventure, il faut une très bonne histoire, et le reste, visiblement, on s'en fout un peu. On va garder un bon gameplay quand même, hein, parce que sinon, ça va être un peu nul. La Thèse s'est révélée être un immense succès, les ventes dépassent de loin toutes les prévisions. J'adore les jeux sortis sur la Thèse, jouer avec une manette est tellement plus amusant. Comme je suis un joueur à la fois PC et console, je ne peux que valider. Alors voilà, on va mettre les doses à peu près au bon niveau. On va mettre un bon design, des bons graphismes, un son un peu moins bon. Son basique, on va même... ouais si, on va mettre du son quand même. Graphisme en 2D version 1. Ça peut monter jusqu'à la 3D V7, hein, autant dire qu'il y a une putain de marge de progression dans le jeu. Même si le jeu se fait sur une trentaine d'années. Alors voilà, j'ai corrigé les bugs, j'ai même rajouté un point de technologie. On publie Tirer la chasse, notre magnifique jeu, nouveau record de design. Publié. Voilà, on va faire un rapport sur ce jeu tout de suite, hein, ça rapporte des points de recherche. Et on va regarder les critiques. Est-ce que c'est un bon jeu? Oh là là, regardez, regardez, regardez. Oh, 9! 9 encore, putain, j'ai fait un super jeu. J'ai fait un putain de jeu. Tirer la chasse va être un... super jeu, ce ne sera pas un jeu de merde, la blague aurait été trop facile. Regardez un peu, il va se vendre comme des petits pains au lait. Regardez-moi ça, regardez ça monte là. Regardez ça, voilà, regardez l'argent arriver. Chasse et aventure, très bonne combinaison, gameplay semble être peu important. Voilà, regardez l'argent que j'amasse. Moi en tant que PDG d'une récente multinationale.